on arrive à un stade où on ne peut plus avancer parce que les instances n'ont plus envie de travailler avec nous. La Ligue n'a plus envie de travailler avec nous, c'est clair. Le maire de Paris nous donne le service des sports de la mairie de Paris ne donne plus de nouvelles depuis presque un an, alors qu'on les sollicite sans arrêt pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'on a une convention de partenariat avec eux. Ils ont signé la charte contre l'homophobie. Donc là, on est arrivé à un stade, de toute façon, on va même pas regretter d'arrêter parce qu'on ne peut plus avancer. L'omerta, elle n'est plus tellement là, j'ai envie de dire. C'est plus ça le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. Quoi. Tout le monde sait maintenant qu'il y a de plus en plus de coming out à l'étranger. On en parle, on sait qu'il y a des athlètes sportifs, gays. C'est plus tellement ça le souci, c'est plus l'omerta comme au début quand on s'est créé où personne ne voulait en entendre parler. Maintenant, la difficulté, c'est d'aller plus loin que faire juste des petites opérations ou des clips vidéo qui ressemblent à rien et qui n'avancent à rien. Dans notre enquête, il y a 50% des jeunes qui se déclarent homophobes dans les centres de formation. Il y a un rapport ministériel qu'on a sorti du tiroir qui déclare la même chose, mais sur tous les sports quasiment. Donc, tous les voyants sont rouges. En fait, on attend quoi? On attend qu'il y ait un mort pour que ça change. Enfin, pas nous, mais je pense que c'est comme toujours, quoi. Il y a un temps qu'il y a un drame pour que ça change. On est allé au contact des gens qui étaient plutôt hostiles. Et on a des belles histoires aussi avec des clubs, un club de Bolène, par exemple, qui nous avait contactés pour faire un partenariat. C'était des gars dont certains étaient homophobes au départ. Et en nous rencontrant, ils se sont aperçus que finalement, on n'était pas... Ouais, on était à peu près normal. À peu près normal, ouais. Donc voilà, on peut faire changer les mentalités, on peut faire évoluer les choses. Il suffit de le vouloir, il suffit qu'il y ait des gens un peu intelligents qui aient la volonté de faire avancer les choses. C'est de la répression, parce qu'on est obligé de passer par là, de l'éducation, de la sensibilisation, et surtout les éducateurs. Il faut former les éducateurs, former les arbitres. Enfin, il y a tout un panel de choses à faire qui ne sont pas compliquées, qui ne sont pas génératrices d'argent, de monstrueuses sommes. Et Dieu sait qu'il y a de l'argent dans le football et dans le sport en général. Donc c'est juste une vraie volonté de faire avancer ce sujet précis. Et je pense que le problème aussi majeur là-dedans, c'est que tant qu'il n'y aura pas de coming out et tant qu'il n'y aura pas de problème, on laisse ça sous le tapis, quoi.